bonne recrue avec Amaury Capio parce que c'est vraiment une équipe qui cherche à se renforcer sur le front des classiques, sur le plat aussi, pour amener Nasser Bouhanni, mais aussi pour protéger ses leaders dans les étapes de plaine, ou pour les placer avant les finaux qui sont un petit peu compliqués, pour Warren Barguil et Nairo Quintana. Donc, une équipe qui a très bien fonctionné en début de saison dernier. Donc, ça devrait être le cas aussi cette année, en gardant un petit peu la même ossature. Bah, Quintana, évidemment, de par ses résultats du début de saison passée, avec sa victoire à la Colmillane à Paris-Nice, sa victoire sur le Tour de Provence, mais sur la seconde partie de la saison, c'est clairement Warren qui s'est détaché après les ennuis de santé de Quintana et suite à sa chute sur le Tour de France. Mais la super fin de saison de Warren sur les classiques laisse présager un Warren un petit peu revanchard et puis assoiffé un peu de résultats pour les classiques ardennaises notamment. Il commence à avoir une équipe plus complète qui s'est aussi rajeunie l'année passée. Donc oui, ils peuvent au moins animer et être présents sur tous les terrains. Et je pense que depuis quelques années, c'est ce que recherchait un petit peu Emmanuel Hubert dans la fondation de cette équipe.